Il m'importe de valoriser ce territoire, de valoriser ceux qui ont inventé, imaginé, qui ont relancé des projets. Personnellement, je considère que les atouts de notre territoire sont la capacité à avoir d'un côté un tissu économique et social dense, du fait de la proximité de grandes agglomérations comme Clermont-Ferrand. Briançon est un barycentre très intéressant, puisque nous sommes à 6 heures de camion, nous couvrons un petit peu plus que 80% du territoire, ce qui est clé. Les atouts du territoire Riom-Limagne-Volcan, c'est tout d'abord en fait un écosystème autour des solutions finalement qui ont un impact durable sur l'environnement. L'atout de ce territoire Riom-Limagne-Volcan, c'est un territoire qui est innovant, attractif, où vous avez une agglomération à l'écoute du monde économique et également les services qui seront là pour répondre à vos attentes. Et vous avez en plus tout un écosystème qui est innovant, qui sera à vos côtés. Le maître mot ici dans cette région, c'est la proximité. Vous voulez discuter avec d'autres entreprises qui sont à côté, vous voulez discuter avec l'université, vous voulez discuter avec la formation, les gens sont à côté, vous voulez discuter avec des élus, vous êtes aussi très bien accueillis, les services publics sont aussi à votre disposition. C'est l'accompagnement en fait des partenaires locaux, les collectivités, l'ensemble des partenaires qui permettent justement de déployer des projets sur le territoire. C'est extrêmement fort puisque aujourd'hui, on le sait très bien, les projets ne peuvent être que collaboratifs et montés en commun. On a le grand projet de transformer en tous les cas notre relation client. Hein. Aujourd'hui, nous avons une interface avec nos commerciaux ou nos technico-commerciaux, soit sédentaires, soit sur la route, d'arriver à développer notre interface client de manière numérique. Les projets innovants que nous prévoyons après cette crise, et notamment la construction d'un nouveau moulin sur notre site de Saint-Ignat. Nous voulons inscrire notre présence sur le territoire en pérennisant la filière blé pour l'avenir en Limagne. Et une des innovations de Châtel-Guyon, au-delà de son savoir-faire et de ce qu'elle met en place autour du microbiote intestinal, c'est de répondre justement à cette attente très particulière d'amélioration de la santé des Français, et peut-être même au-delà de la patientèle française. On va également travailler en agroalimentaire et développer toute une filière avec la nutrition animale et la nutrition humaine, notamment après la reprise d'une société portugaise se trouve au nord de Lisbonne, qui fait qu'avec la société Greensea qui est déjà dans le groupe, nous sommes les premiers Européens producteurs de micro-algues. Sur le territoire de Riom-Limagne-Volcan, vous aurez possibilité d'avoir une station multi-énergie qui va être sur le parc des Européens d'entreprises, donc à Riom, où vous allez pouvoir trouver une station qui va vous proposer différents carburants alternatifs au profit de la transition énergétique. Alors, notre projet innovant pour rebondir après cette crise sanitaire est celui qu'on avait depuis le départ, qui est de proposer en fait une solution pour la biodégradation des plastiques. Et là, nous, notre innovation vient proposer une solution qui est en respect avec l'environnement pour aider les plastiques à avoir une fin de vie réellement propre. Moi, je suis déterminé à ce que Riom, Limagne et Volcan soient une agglo d'innovation, une agglo de création d'entreprises, parce que c'est le chemin qui est, d'abord c'est l'ADN de ce territoire et c'est le chemin que les élus ont souhaité tracer pour les prochaines années.